Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui se connecte à distance sur notre compte Snapchat. Pour cela, on va se rendre sur notre profil à partir de notre avatar. Ensuite, on va se diriger dans les paramètres en appuyant sur l'écrou. Et en descendant tout en bas, on va nous proposer la section « Informations de connexion enregistrées ». Ici, on nous affiche alors les différentes connexions sur notre compte Snapchat à partir de différents appareils. Comme on peut le voir ci-dessous, l'appareil actuellement utilisé est bien indiqué en affichant notamment sa marque et son modèle. Et pour plus de précision, la date et l'heure de la dernière connexion. Maintenant, pour l'exemple, on va se connecter à distance sur celui-ci avec un autre appareil. On va alors retourner dans les paramètres, puis retourner quelques instants plus tard dans cette section afin de rafraîchir les informations. Et comme on peut le constater, ce nouvel appareil y est ajouté, nous permettant ainsi de surveiller et surtout de déterminer si une connectivité distante y est active. Ainsi, si elle n'est pas de notre ressort, on peut en déduire qu'un inconnu s'y est connecté. On peut soupçonner alors que l'on nous a piraté, notamment pour nous espionner ou pour usurper notre identité. Si c'est le cas, deux manipulations peuvent être effectuées. Tout d'abord, on peut le sécuriser davantage. Vous trouverez le lien d'une vidéo à ce sujet dans la description sous cette vidéo. Et ensuite, on peut déconnecter cette session en appuyant dessus. Il nous suffit alors de confirmer la suppression de cet appareil pour lui retirer l'accès à notre compte Snapchat, nous assurant ainsi que personne d'autre n'y est connecté.